Salut à toutes et tous, bienvenue dans ce stade pour cette nouvelle rencontre de football qui va nous occuper. C'est Arimatou, on se retrouve aujourd'hui pour une belle affiche qui va vous être commentée en direct avec beaucoup de plaisir. Le FC Barcelone affronte le Paris Saint-Germain. Allez, ça va être sympa ce match, j'en suis sûr. Attention, Kylian Mbappé dans la surface. Oh, il était là, excellente intervention. L'arbitre présent d'entrée de jeu. Il est un petit peu cerné là. Ousmane Dembélé. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Non, c'est dommage, c'est pas bien joué. Récupération et peut-être une action dangereuse. Oh, très bien défendu. Neymar. La passe aérienne, pas mal. Oh, il était temps d'intervenir là. Sergio Busquets. Il est sur la trajectoire. Le ballon qui passe d'une équipe à l'autre. Mbappé rendu à l'adversaire directement. Allez, en profondeur de Busquets. Magnifique l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. Et le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. C'est dégagé. Ouais, il a dribblé, magnifique. Et ce sera un corner. Le corner en direction du point de pénalty. Oh, l'arrêt incroyable! Superbe pas! Quelle présence!
C'est allé à toute vitesse. Le corner qui est salué par le public. Ah, il a été contré. Il a été contré ce ballon. Et ça a été décisif. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Marquinhos. Wijnaldum. Messi. Ouais, très bon tacle. Il récupère le ballon. Aubameyang qui avance. Un ballon récupéré finalement par Busquets. Messi. Attention, attention à Léo Messi. Oh, quelle détente! Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là. Ah, il est bien parti, ce corner. Ce sera sans grand danger hein, pour le gardien, ce corner. Le ballon rendu carrément à l'adversaire. Neymar. Wijnaldum. Le ballon qui change de position. Ah, ils ont récupéré le ballon après avoir bien pressé l'adversaire. Ousmane Dembélé qui perd ce ballon. Ouais, Messi, ça c'est bien joué. Il lui donne en profondeur. Ouais, il repousse, ça joue. Il est dépossédé du ballon. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Allez, il peut relancer son équipe maintenant. Mais non, cette action ne donnera rien. Pierre-Emerick Aubameyang. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Ousmane Dembélé. Aubameyang. Ballon perdu d'un côté, récupéré de l'autre. Il essaye de trouver la faille. Ouais, défenseur qui enraye cette action. Pierre-Emerick Aubameyang. Le but pour le FC Barcelone. Ça fait donc du but d'écart maintenant, 2-0. Et un changement d'aile. Marco Verratti, malgré la charge, il reste debout. Ouais, le Paris Saint-Germain peut continuer, avantage. Léo Messi. Ce ballon en profondeur. Ils reviennent dans ce match. Plus qu'un but de retard maintenant. Il mène à la marque désormais de buts à 1. L'arbitre a laissé jouer. Avantage pour le Barça. Pierre-Emerick Aubameyang qui prend le dessus sur son adversaire. Et l'arbitre qui désigne le point de pénalty. Pénalty pour le Barça. Et le joueur qui ne tremble pas face au gardien. Ça fait maintenant 3 buts à 1 au tableau d'affichage. Neymar bien pris, bien pressé, qui perd le ballon. C'est pas ce qu'il semblait, hein, la position du ballon. Eh bien, du côté de l'équipe locale, une des forces de cette équipe aujourd'hui, c'est d'avoir été réaliste, d'avoir su convertir la domination
en occasion réelle. C'est assez logiquement que l'équipe mène au score. Ah oui, c'est bien fait ça. Et bien joué, il fallait y aller hein, sur ce ballon en profondeur. Oui, l'occasion. Pierre-Emerick Aubameyang. Ah, ça fait 3 buts personnels pour lui maintenant. Alors on voit ce but offert hein, littéralement à l'adversaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Et avec le ralenti, ça fait encore plus mal. Une première période qui vire à la démonstration. Un quatrième arbitre qui indique 1 minute de temps additionnel. Voilà, c'est la mi-temps. 4-1. C'est peut-être pas complètement perdu, mais enfin, ça commence quand même à faire pas mal. Avantage au score pour le Barça dans ce match qui recommence tout juste. Ousmane Dembélé. Pour Aubameyang. Aubameyang qui élimine son vis-à-vis. Aubameyang qui rend le ballon à l'adversaire. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Il n'y a pas grand monde là pour revenir défendre. Ouais, corner, c'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. Et la tête, ça passe largement hors cadre. Elle met le score, ils font tourner le ballon. Et ça n'a pas l'air de déranger l'adversaire outre mesure. Très mal donné, hein, ce ballon. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Oh là là, l'occasion bizarre là, bizarre récupéré sans problème dans les buts alors que il y avait quand même moyen de marquer. Ah, la passe en profondeur, attention. Mais non, ça ne donnera rien au final. Ah oui, la bonne passe. Oh, le bon ballon pour Mbappé. Mbappé en bonne position. Oh, elle est parfaite. Parfaite cette sortie. Ballon subtilisé dans les pieds de l'adversaire. Beaucoup de courage. Jordi Alba. Oh, ça vient presser sur Jordi Alba. Wijnaldum. Ah, c'est perdu là par Wijnaldum. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Kylian. Oh, le grand danger. La défense qui tient bon pour l'instant. Hors-jeu, oui, monsieur l'attaquant, il faut s'arrêter. Alors qu'on arrive aux deux tiers hein, de cette rencontre, plus qu'une demi-heure à jouer. Oh, la faute, oui, pas correct ce tacle et l'arbitre, à mon avis, va le sanctionner. C'est pour un coéquipier dans la surface. Ça va être un 6 mètres pour le gardien. Sergio Busquets. Un ballon perdu par le Barça. Attention à la contre-attaque. Sergio Busquets, le bon ballon dans la profondeur. Oh oui, la bonne option. Et ça fait but. C'est dévié par le poteau. Mais ça termine dedans.
On voit sur ces images la passe en profondeur, hein, tout par-delà. Il a choisi la force à la fin pour conclure. Il n'a pas cherché à placer son ballon. Ah, clairement, ce match tourne à leur avantage. Il n'est pas vraiment inquiété, alors il continue. Ça n'ira pas plus loin. Allez, une place là pour une contre-attaque. Voilà, contre-attaque qui n'ira pas plus loin. Oh, il est passé, il est passé, il y a danger. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Oh, il va filer au but. Quelle volée. Vraiment, il passe pas loin. Hein. Il passe pas loin du stade. Il avait pris un jaune, hein, tout à l'heure. L'entraîneur qui préfère le faire sortir avant que l'arbitre ne s'en charge éventuellement. Pierre-Emerick Aubameyang. Ouais, la belle aspiration sur cette passe. C'est un petit peu brouillon. Oh, la bonne occasion. Et c'est un but. From brother, we know that it's not a long ride. Tell them better recognize gold when they see a G. Been reflecting, man, I know what they see in me. Made in his image, so I'm close to a deity. Raised on a block, though, still I've been hustling like there's three of me. Big wave, rocking a boat like an Eliocene. Dark rings, getting no sleep, couldn't be a dream. Still up in the nightlight.
love the lesson, though I hate the pain. My heart's investment surely left a stain. You chose your weapon, nearly hit a vein. But I can see sadness in you. You thought I was coming back, that's a no. You were always getting mad for control. I won't fall into a trap that you sow. I've been going back to black like before. I won't be the reason why your heart broke. Even though my love is icy, that's cold. She ain't met nobody like me before. And I belong to somebody like me, not like you. Told me not to trust a like you. I had to learn it by myself, can't live vicariously through. I know the sunshine doesn't shine the same when I'm gone. It's been a long time since you was waiting for me at home. But look, I'm back inside the city where you did me that wrong. Although I let you go, I can't let go of venomous songs. I know it's been a long year and you done shed tears. And I've been super gone, you getting close to my peers. And you can't seem to catch a break. Cause every single catch you had, you just let them get away. I'm gonna make your man to break. Cause every single catch you had beside me, you could still replace. Fooling in and out of light as the heaven spray. We mix the with the lemonade. Trying to counteract them. Used to laugh when I said it made my belly ache. My belly ached every day, yo, it never changed. I wasn't ready for the grave. But I was ready to be paid. Trust, I know we're never getting saved. 24 mixed race, living 12 years a slave. It was only yesterday. Grandfather getting knuckled by the pepper spray. More fire breaks the riot like a renegade. Seeing him setting fire to rain as the letters fade. No doubt I was raised out the south. Tell your ex-boyfriend to keep my name out his mouth. I've been in and out to drag the pain out the house. Big and brave, something proud, say my name, I'm a bow. Salut à toutes et tous, bienvenue ici dans ce stade qui a fait le plein aujourd'hui. Et c'est encore moi, Hervé Matou, qui vais vous commenter ce match. Je sais, il y en a qui en ont marre, et vous inquiétez pas. Le FC Barcelone affronte le Paris Saint-Germain. Alors, qu'est-ce que l'on a réservé ce match ? Un petit spectacle, on l'espère. De Jong. Et le duel remporté dans sa surface.
Messi qui perd le ballon. Il a débordé la défense. Attention à cette occasion. Ter Stegen qui intervient. Sergio Busquets. Il s'est récupéré. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Très mal donné hein, ce ballon. Ousmane Dembélé. Anke de Jong. Aubameyang. Oh, super barré. On la voyait tous au fond. Mais le gardien était là. Attention, le corner frappé par Dembélé. Donnarumma qui capte ce ballon. Mbappé. Ouais, elle gagne son duel. Dembélé est bien là pour intercepter. Les Blaugrana qui ont le ballon. Il est dépossédé du ballon. Contact. Marco Verratti. L'adversaire qui s'empare de ce ballon. Allez, par-dessus, pas mal. Oui, le but, oh, qu'elle est belle! Quelle reprise! Techniquement, c'est parfait, magnifique! Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Mbappé. C'est un ballon perdu bêtement, ça. L'arbitre qui laisse l'avantage au Paris Saint-Germain, il a fait signe de jouer. Pierre-Emerick Aubameyang. Comme bonne séquence de passe des Barcelonais. Allez, il faut centrer, c'est le moment. Pierre-Emerick Aubameyang. Et l'arbitre qui désigne le point de pénalty. Pénalty pour le Barça. Et c'est au fond. Pas de problème sur ce pénalty. Ça fait donc 2 buts d'écart maintenant. 2-0. Trouvé sur ce ballon qui perd la possession. Pierre-Emerick Aubameyang. Ouais, il a gagné son duel, attention. Là, il fallait intervenir urgemment. Oh, il a un boulevard devant lui, là, Di Maria. Ouais, ça frôle le cadre. Mais c'est bien de prendre des risques. Quand on est mené comme ça, de toute façon, il faut en prendre. Ah, c'est l'équipe locale hein, qui monopolise un petit peu le ballon. Par hasard, hein, si l'équipe mène au score. Dès que le ballon arrive à 30 mètres du but adverse, on sent qu'ils sont capables de faire la différence. Lionel Messi. Kylian Mbappé. Lionel Messi. Oh, c'est bien joué. Attention, il est en train de prendre le large. Ah, c'est peut-être un but qui peut tout changer. Hein. Ils n'ont pas baissé les bras. Ça nous promet une fin de match passionnante. Alors on voit ce face-à-face remporté avec la puissance à la fin pour parachever cette action. Et 2 buts à 1 donc maintenant.
c'est pas lui, il a perdu la ligne. Ouais, il est passé. Oh, le gardien qui a déserté sa cage. Alors forcément, c'est plus facile. Alors, on voit ce but offert littéralement à l'adversaire. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Et avec le ralenti, ça fait encore plus mal. Deux partout entre les deux clubs, c'est vraiment serré. Aubameyang. La belle frappe, puissante, mais qui passe au-dessus. Wijnaldum. Kylian Mbappé. Il y avait peut-être une faute, mais le PSG qui bénéficie de l'avantage laissé par l'arbitre. Ah, le ballon qui est donné en profondeur. Le drapeau s'est levé. Le drapeau s'est levé. Quel dommage, parce que cette passe était magnifique. L'appel était bon. Il y a juste un petit problème de timing entre les deux. L'adversaire qui hérite de ce ballon. Lionel Messi. Le ballon qui change de camp. Prise. Ter Stegen qui s'interpose. Pierre-Emerick Aubameyang. Sergio Busquets. La mi-temps sifflé à l'instant par l'arbitre. Il y a eu le début. Il reste. Il est reparti pour 45 minutes entre ces deux équipes, après les 45 premières très équilibrées. Allez, c'est donné par-dessus. Hors-jeu sur cette passe en profondeur. Trop de lenteur dans la transmission. Mbappé. Kylian Mbappé. Ouais, bel exploit individuel. Attention à lui. Oh oui, bien joué. Ter Stegen qui remporte ce duel. Il est resté calme sur ses appuis. Angel Di Maria. Ouais, excellente intervention. Il récupère ce ballon. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon? Ah, il est passé. Il file vers le but. Ouais, bien joué. Bien joué dans les buts. Le face-à-face remporté, c'était vraiment dangereux. Allez, il faut le mettre celui-là. Il s'est dégagé du point. Je trouve qu'il fait un bon match, une bonne. Ah ouais, super, mais il file au but. Et le voilà, le but. Ils étaient largement menés. Et les voilà en tête dans cette partie. On voit la contre-attaque qui amène ce but. Je vois la force à la fin. Donc lui, il n'a pas cherché à placer son ballon. Ça fait donc 3 buts à 2, un petit but d'écart. Kylian Mbappé. Il veut garder son ballon, il le protège. Kylian. Il alerte son partenaire dans le dos. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. Récupération et peut-être une action dangereuse. Pierre-Emerick Aubameyang. Intervention défensive pleine de classe. Hein. Dans la surface, il faut oser. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Et le but! Le but signé Kylian Mbappé! Bon, 4 à 2. Avance du début au tableau d'affichage. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Qui sort en touche après cette déviation. Ousmane Dembélé. Ah, il a le temps de centrer.
Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Et il revient à la faute. C'est bien arbitré. Wijnaldum. Angel Di Maria. Di Maria qui n'a pas pu conserver ce ballon. Master Kimpembe, il était là. Messi. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Messi. Ah ouais, c'est bien fait ça. Ter Stegen qui s'interpose. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Sergio Busquets. Busquets, très bon ballon là pour le Barça. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Aubameyang. Très bonne intervention, il lui a pris la balle. Défenseur qui enraye cette action. Ah, le pressing qui paye dans le camp adverse. Oh, ça, ça peut être dangereux. Ah, c'était bien tenté de la tête, mais ça passe quand même à côté. Oh, il peut centrer. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Ousmane Dembélé. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Ça, c'est très bien défendu. Contre-attaque peut-être. Kylian Mbappé. Oh, quel dommage. Quel dommage de faire une contre-attaque aussi fabuleuse et de la terminer ainsi avec une conclusion totalement raté. Anke de Jong. Ouais, pas bien joué là de la part de Mbappé et qui rend le ballon à l'adversaire. Anke de Jong. Allez, il peut réduire l'écart là peut-être. Ouais, bien présent le gardien sur cette action, mais ce n'est pas fini. Mbappé. On va peut-être assister à une contre-attaque. Attention parce que la contre-attaque se poursuit. C'est déjà la troisième fois qu'il trouve le chemin défilé aujourd'hui. 5-2. Ah, les spectateurs sont gâtés en but en tout cas. Et ce ballon qui traîne. Pierre Aubameyang. Bien fait pour Aubameyang qui a directement donné le ballon à l'adversaire. Donnarumma a mis un ballon au fond. La cage complètement abandonnée par le gardien. Alors pour marquer, c'était plus facile, c'est sûr. Le score qui est de 5-3. C'est 2 buts d'avance, précieux. Achraf Hakimi. Angel Di Maria. Un centre à destination de ses partenaires. Et le coup de sifflet final, voilà, c'est terminé. Et c'est une mauvaise affaire pour le... See, told me keep shining in the streets and we're still wilding. Only peace, only violence, no violence. In the sun where I'm highest, melanin biased. Dumb iron maid, dark.
darkest shade while she cleans my braids. Skin don't fade and I'm still not fazed by your magazine praise. We just wanna be great in these African jeans. All I want's my kids to have some nepotism. All I want's my wealth to have some repetition. Call my humble son and tell him that's the mission. Tell him that's the vision. Yeah. Tell him that's the mission. Yeah. Tell him that's the vision. Salut, bienvenue à tous. Vous le voyez, les conditions météo qui nous attendent aujourd'hui sont absolument excellentes. C'est Hervé Matou au micro avec vous pour ce match très attendu. Le Barça face à l'AC Milan. Comme toujours, on espère avoir un match palpitant. Ah, c'est un ballon perdu bêtement, ça. Et on a dégagé pour écarter le danger. Ousmane Dembélé. Oh, qu'est-ce qu'il nous a fait. Oh, quel but. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Calabria. Il l'a bien vu, c'est bien joué. Pierre-Emerick Aubameyang. Finalement, il perd de ce ballon. Terebić. Voilà, je ne sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Ousmane Dembélé. Sergio Busquets. Oh, le ballon dangereux. Oh, elle est parfaite. Parfaite cette sortie. Ballon subtilisé dans les pieds de l'adversaire. Beaucoup de courage. Franck-Yannick Caissier. Ibrahimovic. Un duel gagné, il prend le ballon. Kalik qui a faute, coup franc pour le Barça. Sergio Busquets. Il avait tout compris là, le défenseur, bien vu. Tonali. Ah non, le ballon est perdu. Soufati. Aubameyang. Bien fait, il élimine le défenseur. Contact. Ousmane Dembélé. Oh, c'était dangereux, mais il a récupéré le ballon. Bien joué. Ah, c'est bien donné ce ballon. En Terebić. Oh, la grosse occasion et l'arrêt magnifique. Même si de toute façon il y avait hors-jeu. Ouais, l'arbitre avait levé son drapeau. Sergio Busquets. Ballon perdu par Busquets. Oh, l'erreur de marquage du défenseur. Et le but. Et le but, il recolle au score. On voit le joueur là qui élimine d'abord le défenseur qui lui barrait la route. Après à cette distance, j'imagine bien qu'il n'y a pas grand chose à faire. Et voilà donc à égalité un but partout. Terebić. Zlatan. Il faut trouver l'ouverture. Ah, le ballon est contré par le défenseur avant de rentrer.
Ah, on voit que le ballon a été détourné, hein. C'est clair sur ce ralenti. Ça joue un rôle. Le FC Barcelone qui voit son adversaire prendre l'avantage. Voilà, ils ont récupéré le ballon après avoir bien pressé l'adversaire. Ballon qui est donné en profondeur. Ça, c'est un bon ballon. La France qui parvient finalement à s'en sortir. Pierre-Emerick Aubameyang. Rafael Leão. Ibrahimovic. En profondeur, oui, bien vu. Et il y est. Là, c'est très bien donné, on le revoit, ce ballon en profondeur. Coup de clairvoyance hein, chez le passeur. Je vous dis la force à la fin hein, pour conclure. Il n'a pas cherché à placer son ballon. Ça n'étonnera personne de constater que l'équipe visiteuse monopolise le ballon. Une des forces de cette équipe aujourd'hui, c'est d'avoir été réaliste. Oui, bonne intervention du gardien, ce n'était pas facile. Ansu Fati. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? On cherche la faille dans la défense adverse. Ibrahimovic. Rafael Leão. Et c'est un but pour l'AC Milan. Ah, ce match qui vire à la démonstration dans cette première période. Tonali. Rafael Leão. Zlatan. C'est contré par Piqué. Le public qui fait entendre son mécontentement. Il faut dire que son équipe ne touche plus le ballon. Ils sont privés vraiment de ballon. Et le ballon qui va heurter la barre avant de finir au fond du filet. Bah, clairement, ce match tourne à leur avantage. Interception. Ibrahimovic. Et il y aura une minute seulement, une minute minimum de temps additionnel. Il est bien à faire là pour Aubameyang qui a directement donné le ballon à l'adversaire. Et voilà, l'arbitre qui renvoie tout ce beau monde au vestiaire sur ce score de 5-1. Le début de la seconde période à l'instant. Là, c'est Milan qui mène dans ce match. Rafael Leão. Il n'y a pas grand monde pour couvrir les ailes. Le Milan va essayer d'en profiter. Ter Stegen, le réflexe. Oh, magnifique. Il cherche le point de pénalty. Le gardien qui repousse. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Et la remontée du terrain qui se poursuit. Kinyang. Pierre-Emerick Aubameyang. Il va peut-être pouvoir marquer. C'est le Barça qui marque. Ça fait 5-2. Hein. On se régale. Il y a vraiment beaucoup de buts aujourd'hui. Yannick Caissier. Ibrahimovic. Théo Hernandez. Oh, il était temps d'intervenir là. Allez, attention à l'éventuelle contre-attaque. Bien protégé ce ballon. Changement de possession. Ils vont pouvoir jouer la touche. Anke de Jong.
De Jong. Ousmane Dembélé en position idéale. Ouais, il repousse, ça joue. La défense a eu chaud, c'était une belle occasion. Pierre-Emerick Aubameyang. Allez, attention, c'est dangereux pour Aubameyang. Ouais, le bel arrêt magnifique à bout portant. Super réflexe. Le corner en direction du point de pénalty. Oh, bien joué. C'était chaud, il a dégagé. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre, plus qu'une demi-heure à jouer. La passe d'Ousmane Dembélé, mais c'est récupéré par l'adversaire. Il n'y a pas grand monde pour couvrir les ailes. Le Milan va essayer d'en profiter. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Ah non, finalement, c'est un ballon perdu. Théo Hernandez. Franck-Yannick Caissier. Attention, il est tout seul. Et c'est au fond. 6-2, le score qui est quand même très très lourd. Aubameyang qui continue. Et c'est finalement pour Jordi Alba. L'arbitre qui fait signe de jouer, avantage pour l'AC Milan. Oh, il est passé, il va pouvoir marquer. Ouais, ça peut faire mal ça. La cage complètement abandonnée par le gardien. Alors pour marquer, c'était plus facile, c'est sûr. Bon, je crois qu'il n'y a plus vraiment de suspense. Hein. Tonali. En caissier. Il a commis la faute là pour couper cette attaque. Coup franc repoussé par le mur. C'est touché hein, par le défenseur. Ce sera un corner. Le remplaçant qui se prépare à rentrer, mais à la place de qui? Avec un tir. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Oh, il y va tout seul, il y va tout seul. Et c'est un but. Salut, bienvenue à tous. C'est évidemment un nouveau match de foot qui nous attend et qu'on va vivre ensemble aujourd'hui. Avec vous au micro, Hervé Matou. Il
speed. Dundra upp den, klart lönen den är saftig. Kasta upp augmenten, den är kraftig. Lär kvarts mille, vart är du aktiv? Ens bugs på nytt, vi hämtar in dem en efter en. Aktiv 2-4 genom 3-6-5. Det är Musti och jag Lassi. Wallahi, tränger du nu, kom i ready. Jag öppnar dörren för Ultimi som en OG. Sticker till Stockholm, pew pew, ringer min homie. Över on the low B, alltid varit så low key. Ringer upp min mamma för att leverera en trophy. Om jag sagt det en gång, det är det på ordentlig. Ingenting kan gentas, men det ska jag nosy. Det snackar riktigt tur, inga på tur. Det går skitsnabbt, jag kommer från bunnen. Det jag gjorde, jag gör för. Bienvenue à Old Trafford, vous le voyez sur ces images, il fait très beau aujourd'hui sur Manchester, on va pas s'en plaindre. Et le Vénard qui va vous commenter cette partie sous la pluie, c'est, vous vous en doutez un peu, moi-même, Hervé Matou. Manchester United affronte le FC Barcelone, je suis fidèle au poste, comme toujours, pourvu que le match soit bon. Busquets, ah oui, le tir. En superbe, la balle piquée, il marque. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Cristiano Ronaldo, qui s'enfonce. Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Anke de Jong. Sortie de but. Ah non, le ballon est perdu. Oh, c'est bien donné dans l'espace. Et le but! Le but signé Frankie de Jong. Je crois que ça allait trop vite pour la défense adverse. Ça fait donc 2 buts d'écart maintenant, 2-0. Non, elle a été interceptée cette passe. Voilà, je sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Ballon qui est donné en profondeur. Et cela ne donne rien du tout. Fernandez. Il se présente face au gardien. Ouais, ça peut faire mal, ça. Ouais, bien présent le gardien sur cette action, mais ce n'est pas fini. Ousmane Dembélé en position idéale. La bonne intervention. Ah non, non, c'est mal défendu, là. Le premier poteau. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. En position idéale pour centrer. Allez, le but de l'espoir peut-être. Hors jeu. Ouais, le but était marqué, mais ça ne sera pas validé. Hors jeu assez net. Et le but logiquement annulé. Anke de Jong. De Jong. Ballon en profondeur. Oh, le plongeon énorme pour écarter le danger. Quelle parade! Corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Les Red Devils à l'attaque. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. De Jong. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Ronaldo, l'occasion pour revenir à une longueur. Oh, quel dommage, c'était l'occasion de réduire le score. Ça ne dit rien de bon pour cette équipe qui est donc menée toujours. Les supporters qui sont furieux, qui estiment que l'arbitre aurait dû siffler pénalty sur cette action. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Jadon Sancho.
Très bonne interception. Il y avait danger hein, derrière. Bien joué. Place là pour une contre-attaque. Un mauvais contrôle qui lui fait perdre le ballon. Il y avait certainement mieux à faire. Le ballon est perdu. Dommage. C'est perdu ce ballon par Gérard Piqué. Oh, la mauvaise relance. Et oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Et ballon repris par Sergio Busquets. Oh, il a levé son ballon. On a tenté la petite balle piquée. Mais il faut un petit peu de précision pour réussir ça. Et là, c'était raté. Ah, c'est un ballon perdu. Aubameyang. Allez, attention, c'est dangereux. C'est dangereux pour Aubameyang. Ouais, il repousse, ça joue. Ah oui, c'est dedans. Le gardien qui a été pris de vitesse. Hein. Il n'a pas eu le temps de s'étirer pour aller chercher ce ballon à ras de terre. Se ralentit. C'est une intervention plutôt ratée, on va dire, du gardien. Et l'attaquant qui a suivi pour la mettre au fond. Une première période qui vire à la démonstration. Jadon Sancho. Le ballon est sorti en faveur de Manu. Il a perdu le ballon après l'avantage. Alors on revient à la faute. Attention, attention, l'occasion pour Cristiano Ronaldo. Oh, quelle occasion, mais quelle occasion à bout portant. Pourquoi la jouer si forte, cette balle? Il va pouvoir relancer maintenant, c'est parfaitement fait. Ah, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Bien coupé par le joueur adverse, cette passe d'Aubameyang. Fernandez, Ronaldo. Allez, allez, Ronaldo, il peut marquer sur ce ballon. Et ça fait but. On voit ce ballon, dos au but, la frappe en pivot. C'est magnifique, hein. Faut la mettre. Le score, vous le voyez, ça fait 3-1. Récupération et peut-être une action dangereuse. Ça sort, le ballon a été dévié. Ça sera donc un corner. Pierre-Emerick Aubameyang, il va peut-être pouvoir marquer. Ouais, bien présent le gardien sur cette action, mais ce n'est pas fini. Oh, superbe ce tac, à un endroit crucial. Ah, c'est pas fini, ils peuvent peut-être partir en contre. Voilà, contre-attaque qui n'ira pas plus loin. 3 buts à 1, ce sera le score à la pause. Ah, on a déjà eu beaucoup de buts hein, en 45 minutes. Début de la seconde période,
avec un Manchester United qui est mal en point au tableau d'affichage. Cristiano Ronaldo. Allez, il peut réduire l'écart là peut-être. La bonne intervention de Ter Stegen. Pierre-Emerick Aubameyang. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Voilà, je sais pas ce qu'il avait en tête. Pierre-Emerick Aubameyang. Oh, le ballon piqué. Oh, que c'est beau. Magnifique geste décisif. On revoit le but au ralenti. Un but offert, on peut dire ça. Avec cette très mauvaise passe à l'origine. Et ça fait maintenant un score de 4-1. Il va s'offrir un duel avec le gardien. Ah, il y a de quoi s'en vouloir, hein, ce face-à-face. C'était une vraie occasion de but. Mais dans les buts, on n'avait pas l'intention de se laisser faire. Peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Il a débordé la défense. Oui, le but, oh, quelle est belle. Quelle reprise. Techniquement, c'est parfait, magnifique. Voilà, la contre-attaque qui a amené ce but. Ensuite, il décide de conclure en force son face-à-face. C'était le bon choix. Bel exploit individuel, attention à lui. Et c'est dedans, un but qui peut sembler inutile, hein, tellement l'écart est grand. Enfin, c'est toujours ça. On revoit ce raid solitaire. Le ballon qui lui colle au pied. Les appuis sont excellents. C'est vrai que la défense peut paraître un peu passive, mais il n'y a rien à faire, hein, face à ce talent. Le score qui est donc de 5-2 maintenant, ça fait quand même une avance bien confortable. Allez, attention, c'est dangereux pour Aubameyang. Et Derrea est là. Fred. Cristiano Ronaldo. Fred. Le ballon rendu carrément à l'adversaire. Allez, attention à l'éventuelle contre-attaque. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Fred. Passe lobée dans le dos de la défense. Oh, quelle détente. Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là. Il cherche le point de pénalty. Ouais, intervention importante, hein, du gardien qui soulage ses défenseurs. Sur Fatih. Un petit peu de déchet dans le jeu de Jordi Alba qui perd la balle. Ça part dans le paquet. Tranquillement, hein, pour le gardien, ce centre. Belle prise de balle. Bonne anticipation sur cette passe. Le joueur de Manchester qui est bien servi. Et le but. Il doit encore marquer beaucoup, hein, pour revenir. Mais bon, elle est au fond. Le ralenti. On voit d'abord qu'il élimine bien son adversaire direct. Ensuite, à cette distance, c'est clair que c'est difficile de rater. Ah, difficile de savoir ce qui va se passer maintenant, hein, ce score qui est désormais de 5-3. Pierre-Emerick Aubameyang. Oh, et c'est bien taclé. Bruno Fernandes. Ouais, il intercepte. Anke de Jong. Ça presse haut. Attention à ce ballon. Fernandes. Il redonne à Bruno Fernandes. Oh, il fallait pas se louper sur ce geste. Bien défendu. Qui se resserre autour. Ah, il est passé, il file vers le but. Et bien joué, il fallait y aller, hein, sur ce ballon en profondeur.
Ballon européen. Attention, il est tout seul. Le danger qui n'est pas écarté. Et le Barça qui marque. Ah, c'est pas très bien joué de la part du gardien là, qui remet le ballon. Il ne le capte pas bien. Et derrière, la sanction qui est immédiate. Mais je pense qu'il va falloir qu'on change les filets avant la fin du match. Si ça continue comme ça, on va être trop usé. Il porte le ballon. Un geste plein de calme, de maîtrise. L'adversaire qui hérite de ce ballon. Ouais, très bonne intervention défensive. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Aubameyang. Contre-attaque. Carrément Aubameyang. Il va peut-être pouvoir marquer. Ouais, ça fait 3. 3 buts personnels pour lui maintenant. Ouais, clairement, ce match tourne à leur avantage. Sergio Busquets. Busquets. Il perd le ballon. Très mal donné, hein, ce ballon. Plus que 7 minutes à jouer dans cette rencontre. Ousmane Dembélé. Hors-jeu. On n'est pas précipité comme ça. Un score sans appel aujourd'hui. Hein. Une avance totalement justifiée, tant l'équipe a dominé dans tous les compartiments du jeu. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Il continue sa progression. Busquets. Guy de Jong. Ouais, il gagne son duel et récupère le ballon. Une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Ouais, voilà, c'est fini. Victoire du FC Barcelone. Les Blaugrana qui prennent 3 points. Ah, c'est très satisfaisant. Un collectif bien huilé. Il ne pouvait pas lui arriver grand-chose dans cette rencontre, à cette équipe. On l'a vite senti d'ailleurs. Aubameyang. Allez.